remains is a piano that plays. Et voilà. Merci, 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 merci beaucoup. Amaury, tu me disais des choses très gentilles sur elle. Ah mais oui, parce que je trouve que Lara est toujours plus belle, plus les années passent, plus elle est magnifique, et plus on est captivé par, je sais pas, c'est quelque chose qui passe comme ça, ça s'explique pas, et moi voilà, c'était depuis voilà, très longtemps, et voilà, je sais plus m'arrêter. Subjugué voilà, par la beauté fini, de Lara hein. Tout à l'heure. Ouais, c'est gentil, merci. Dit par un si joli garçon, c'est, ouais. Ça fait plaisir. Quel âge tu avais en 2000? Oh, alors, 12 ans en arrière, oui. J'étais pas vieux. Bah, chez ouais, 10 ans, quoi. 11 ans, oui. Donc tu étais un petit garçon qui écoutait la radio, la musique. Exactement. Et est-ce que tu écoutais Tu es mon autre? Je pense qu'on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté de cette chanson, elle est magnifique. Techniquement, elle est pas facile quand même aussi, ouais. Surtout quand on n'est pas l'artiste original. Et donc c'est pour ça que moi je suis très content de pouvoir. Quelle était l'histoire de cette chanson d'ailleurs, Tu es mon autre? Comment s'était fait ce duo avec Morane? Une envie que vous aviez eue toutes les deux? Ça faisait longtemps que je rêvais de chanter avec elle. Ma meilleure amie, Nathalie Slack-Mulders, me l'avait présentée, puisque c'était son amie à la base, les deux Belges en folie.